Bonjour à tous. Alors, je suis très heureux de vous présenter ma dernière acquisition. Après avoir écumé pas mal les forums, les vidéos, les tests, j'ai décidé de faire l'acquisition d'une Tevo Tornado, principalement pour le fait qu'elle puisse s'imprimer en grand. Alors, ma MK2 est toujours là, je vous rassure. J'en suis toujours très satisfait. Mais là, c'est vrai que j'ai quelques projets qui nécessitent pas mal de volume, d'impression. Donc, j'ai décidé de prendre cette imprimante. Eh bien, je tiens à vous dire que je suis agréablement surpris. Alors, j'ai fait moi-même l'acquisition de cette machine, hein, donc y a rien de biaisé. J'ai aucune influence de qui que ce soit. Et là, je viens de terminer la configuration. Et la configuration principalement du slicer que j'utilise. Et je viens de terminer la petite impression du Benchy que voici. Vous pouvez voir que la qualité est vraiment vraiment appréciable. L'imprimante est entièrement d'origine, j'ai fait aucune modification et voilà ce qu'on obtient, une qualité vraiment appréciable. Voilà, c'était peut-être pas très au point au niveau de la mise au point justement. Je pense que ma première couche est encore un petit peu trop écrasée. Il va falloir que je peaufine ça, mais après, vous voyez bien qu'au niveau de la qualité de l'impression, c'est vraiment nickel, hein. On arrive presque à lire 3D Benchy à l'arrière. Donc voilà, j'ai tenu à vous présenter ça. La seule chose que j'ai modifiée au moment de monter l'imprimante, ce sont ces petites molettes qui permettent de régler le bed. En fait, je les ai imprimées tout simplement sur ma MK2. Et de manière à ce que quand je monte l'imprimante, je puisse directement régler le bed. Et voilà, là ce que je suis en train de faire, c'est que je vais travailler sur un support de bobine. Donc voilà, c'est la mise au point est en cours. Donc voilà, je tenais juste à vous faire un petit retour sur cette imprimante qui pour l'instant me satisfait. Et il faudra voir ça au fur et à mesure sur la longueur, voir si les composants et les réglages tiennent sur le long terme. Donc voilà, je vous remercie, bonne journée à tous et à bientôt. Au revoir.